Invité dans les rencontres du Papotin ce samedi 4 novembre sur France 2, Danny Boone a fait de rares confidences sur son salaire conséquent. Après Jonathan Cohen, Juliette Armanet ou encore Thomas Pesquet, ce samedi 4 novembre, c'est au tour de Danny Boone de se prêter au jeu des rencontres du Papotin sur France 2. L'humoriste de 57 ans s'est livré comme rarement à travers ce rendez-vous sincère et humain fait de rencontres et de questions inattendues. Un journaliste répondant au nom de Grégory s'est interrogé sur la profession de l'acteur de Bienvenue chez les Ch'tis. Le compagnon de Laurence Arnay a alors répondu qu'il était artiste. Le journaliste de Papotin a approfondi en lui demandant s'il travaillait beaucoup. Si Danny Boone allait répondre à la question, Grégory l'a interrompu, « Vous gagnez beaucoup de pognon, aussi? Vous êtes très riche ?» Sans détour, l'ami de Kadmerad est hilar. C'est d'ailleurs en riant que ce dernier a répondu cash, « Je gagne énormément de pognon, oui. » C'est bien, a rétorqué Grégory qui voulait visiblement en savoir davantage. Vous avez des patrons, des copains, des copines, beaucoup d'amis? A continué le jeune homme. C'est avec un grand sourire que Danny Boone a répondu sur le ton de l'humour, quand t'as beaucoup de pognon, t'as beaucoup de copains et de copines. Un peu comme moi, a conclu Grégory. Un échange, drôle et léger qui a su donner du baume au cœur à tous ceux présents dans la salle. Danny Boone, son salaire conséquent qui ne passe pas bien que Danny Boone ait répondu sans tabou à la question de Grégory concernant son salaire, l'acteur français n'a donné aucun montant précis. Un sujet qui avait d'ailleurs remonté le comédien après la polémique lancée par Vincent Maraval, qui accusait certains acteurs de contribuer à la crise du cinéma en raison du montant de leur salaire. De Funès vivait dans un château et on ne lui posait jamais ces questions. Fernand Reynaud roulait en Rolls-Royce. Si j'arrive au studio comme ce matin en Rolls, le lendemain, je fais la une de tous les magazines, avait-il confié lors d'un entretien avec le magazine Figaro.